Le régime qatari de Régis Tamim bin Hamad a diffusé par ses médias, notamment la chaîne d'Al Jazeera, que la Turquie était la démocratie établie au Moyen-Orient et devait être commercialisée comme un modèle à suivre pour les pays arabes et islamiques. Mais dans un couple de trois toutes, ces conversations turque-qatari, Erdogan a décidé de réorganiser les élections municipales à Istanbul. La décision turque rendue par la Commission électorale suprême de Turquie affirme clairement que l'homme fier de son allié et la démocratie qui a pris la Turquie s'est révélée. Cette démocratie a conduit à la victoire de l'opposition à Istanbul. Pourquoi Erdogan n'a-t-il pas respecté cette démocratie et répété la réélection dans cette ville? Bien sûr, ce que la Commission électorale a fait pour satisfaire le désir du président turc, qu'elle a rejeté de l'audit par ses résultats révélant la fragilité de son parti politique, ainsi que la faible popularité des billets jusqu'à la victoire électorale du candidat de l'opposition Akram İmamoğlu dans la municipalité d'Istanbul. La violation de la démocratie en Turquie est un nouveau signe que le régime turc atteint sa dictature. L'homme qui a licencié des meilleurs de leurs emplois et arrêté des centaines de prisons viole ouvertement les principes de la démocratie pour révéler à nouveau son vrai visage. Cette mesure prise par Erdogan a dévasté les ambitions de Tamim bin Hamad de promouvoir le régime turc. De tomber le scudo à ne connaît pas d'élection. Écoute, Tamim était fier de l'expérience électorale de la Turquie. Qu'en fait-il aujourd'hui après l'échec de cette expérience?